Je veux commencer par la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Romains 8, le chapitre 28. La parole de Dieu qui dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, la genèse de l'église Échelle part de la vision que le révérend pasteur Édouard Moukala avait reçue pendant son enfance. Et dans cette vision, Dieu lui avait révélé une échelle que lui, il escaladait avec le peuple de Dieu. Et après plusieurs péripéties qu'il a connues dans le cadre de sa précédente mission, dont les événements lui ont conduit à comprendre qu'il était temps pour lui de passer un cap dans le cadre de la mission que Dieu lui avait adressée. Et c'est dans cette optique que l'Église Échelle s'inscrit. Certainement, le monde entier va se poser la question à ce qui concerne l'Échelle. Ils vont se poser la question pourquoi tant des églises, et aujourd'hui c'est la naissance de l'Échelle. C'est parce que nous suivons les consignes de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous fait savoir dans le livre de Matthieu que nous devons faire des disciples. Et les disciples feront autant, donc un disciple faiseur des disciples. Question d'évangéliser jusqu'à l'extrémité du monde. L'échelle n'est pas un homme comme toi et moi, n'est pas un objet, mais l'échelle, c'est le Seigneur lui-même. Il est dit dans Genèse chapitre 28, le verset 12, dans la vision de Jacob, il interprète « Voyant les anges monter et descendre sur l'échelle ». Et lui-même, il donne une déclaration, le Seigneur donne une déclaration en disant « Désormais, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme ». Donc l'échelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors si vous voulez chercher à connaître l'échelle, cherche à connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'organisation de l'église Échelle, déjà dans le cadre des cultes, nous avons les cultes les mercredis en soirée. De 18h à 20h. Et dans cette activité, nous avons un moment de l'adoration, un moment de l'exhortation, et enfin nous avons un moment d'intercession. Et les dimanches, la matinée. Comme ça s'est dit, les cultes dominicaux chaque dimanche s'accompagnent avec tous les actes pastoraux. Et donc, il y a la Sainte-Seine, vous trouverez la bénédiction d'enfant, il y a la bénédiction de marié et autres. Et toujours dans l'organisation, nous avons des œuvres des mamans, nous avons des œuvres de jeunesse, nous avons des œuvres caritative et nous avons le club d'enfants, ailleurs appelé école de dimanche. Voilà ce qu'on trouve dans le cadre de l'organisation de l'église Échelle. Alors je demande à toutes les personnes qui nous écoutent pour la première fois de venir le 17 octobre 2021 à la préfecture. Nous aurons là-bas un culte de célébration et ce culte s'inscrit dans le cadre de rendre grâce à Dieu pour l'œuvre qui commence. Et ce culte va commencer à 9h30 et prendra fin à 11h45. J'invite massivement les jeunes à venir célébrer Christ avec nous ce 17 octobre 2021 à l'église Échelle. L'échelle, c'est par là que nous gravitons pour monter vers notre Dieu, car l'échelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Jean chapitre 1, verset 51. Jésus dit, vous verrez les anges du ciel monter et descendre par moi. Oui. Venez donc, frères et sœurs, célébrons notre Dieu ce dimanche 17 octobre 2021, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme la parole de Dieu n'est pas limitée, alors le monde ne va pas aussi se limiter.
croyant ou non croyant, comme dit la Bible, circoncis ou non circoncis, tous nous sommes liés par le sang de Jésus-Christ. Donc nous vous demandons de venir écouter, de prendre part, sinon que de manger ensemble avec le Christ, parce que le Christ a besoin de nous. Pour toutes les personnes qui veulent entrer en contact avec l'Église Échelle de partout par le monde, contactez-nous par mail église-échelle@gmail.com. Nous serons très heureux de vous lire. Que Dieu vous bénisse. Pour toutes les activités du quotidien, pour ceux-là qui voudraient bien suivre l'Église Échelle en ligne, vous pouvez vous abonner sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube tout en cliquant Église Échelle. Nous vous saluons et que le Seigneur vous bénisse.